Bonjour à toutes et à tous, ici Nazmec pour la 16e partie de Darksiders. Et apparemment les araignées ont respawné partout. Partout. C'est bien dommage. On se barre d'ici. On se barre d'ici. J'en ai assez vu là-dedans, J'ai la clé. Oh! J'ai la clé de l'observateur, disais-je. Ah oui, mais j'ai déjà tout mon courroux. Donc ça a un intérêt discutable. On passera si besoin. Donc oui, j'ai la clé de l'observateur. On va se dépêcher de continuer ce donjon. On va aller le plus loin possible pour une demi-heure. Tranquillou. Ah là. Tchouk. Ok. Continuons. Encore plein d'araignées partout. J'en ai marre de ces araignées partout. Je vais essayer de les esquiver plutôt que de les combattre. Parce que ce serait un peu long tout de même. Hein. Si je peux les esquiver, je le fais sans hésiter. Ah, laisse-le. Avance. J'aurais bien aimé le pousser, mais il a pas voulu. Hep, hep, hep. Lâche ça. Oui, mais non, pour l'instant, je m'en fous qu'il soit tombé. Parce que moi, je veux grimper. J'ai pas de quel côté c'est, par contre. C'est de quel côté je... Ah, c'est de ce côté-là. Là, on le voit. On l'a vu. Hop. Fragment de courroux. Yep, là. Ensuite, ce qu'on fait. Toi, on te baisse. Ce qui fait que Bestio tombe. Et maintenant on se magne. On se magne. Hop. Hop. Voilà. Parce que vous voyez, la grosse bestiole, là, normalement elle m'attend. Mais ce qui fait que moi je suis déjà passé. Coucou, je suis là, tête de con. Il m'a pas vu. C'est pas grave. Pas grave, progressons. Oh, un artefact là-haut. J'ai vu une lueur d'artefact juste au-dessus de ce bloc. C'est une autre lueur, ça, qui me plaît beaucoup moins. D'accord, variante des petits zombies. Des zombies de flammes vertes. J'ai tenté de dire des zombies gelés, mais ils sont un peu trop enflammés. Prenez-vous ça, doucement, tranquillement, gentiment. Paf. Il y en a encore plein. Plein d'araignées partout. Zombie, blablabla. Hé, calme. Tout. Raté. Voilà. Tu te tais. D'accord? Tu te tais. Voilà, c'est fait. On peut continuer. Bon. Ah, l'artefact. Bon, quand je repasserai. On a l'artefact en repassant. Encore des araignées partout, j'en ai marre de ces bestioles. Ok. Alors. Une bombe timer. Elle est belle la bombe timer. Quelle mignonne. On la met bien sur la plaque. Voilà. On peut pas grimper par ici. Non, il faut forcément passer par ici. Saleté. On passe de l'autre côté. On monte la bombe. Clouc. Touc. Non, qu'est-ce que tu fous? Tu. Voilà. Yeah.
C'est pas une bonne idée. Voilà. D'abord que je me débarrasse des bombes. Tu te tais. Le chat, il commence à sortir du mur. Il n'y avait pas question. Tu te tais. Ah ! Tant pis. Tant pis, tant pis. Et on monte la bombe tumeur. Voilà. On la prend. On la pose. Et on passe. Je vais essayer d'aller assez vite à travers ce donjon parce que les araignées, j'en ai jusque là, des araignées. Ça faisait longtemps des trucs comme toi. Ça faisait longtemps. Tu m'as pas manqué. Pas du tout. Mais tu me fais pas peur maintenant, mon gars. Voilà. Aïe. Aïe. Tellement d'objets, tellement d'objets. Tellement d'objets, des fauteuils roulants, des lits d'hôpitaux, des... J'en ai marre. J'en ai marre de tous ces objets qui nous parasitent le jeu. Tiens. 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 Et tiens. Et tiens. Tu y passes, y'a pas de raison. Encore. Encore les ennemis, vous foutez de moi. Encore. Tu c'est ça, défends-toi contre ça. Ah putain, il se défend le salaud. Allez, tu vas y passer, tu vas y passer. Fumier. C'est bon? C'est pas bon. C'est pas bon ça, non, c'est pas bon, en effet. En effet, ce n'est pas bon. Ce n'est pas... Oh, on se calme, mon gars, on se calme. Olé ! Oh ! Oh ! On se calme. Se calme, mon grand raté. T'as essayé de m'attraper, tu m'as pas eu. Et si tu te décidais à venir m'attraper, hein? Remarque, pour l'instant, tout ce que je fais, c'est esquiver. Plus ou moins bien. Tiens. Ah non! Je ne veux pas de câlin. Viens. Viens. Ah, t'aimes pour te prendre des murs, hein. T'aimes ça, mon gars, t'aimes ça. Hop là. Allez, j'aimerais bien voir ton finish mur. Oh, il sera certainement identique au précédent qui avait des points de feu. Ah ben, il n'y a pas de finish move. Déçu, je suis. C'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Il m'a pas fait de dégâts, pas trop. Ça, non, il m'en a pas fait. Il m'en a pas fait. Et bon bah, c'est très bien. Tiens, encore des cocons partout. On va passer. Non non, non non, y a personne. Excusez-moi. On passe tranquillou, tranquillou, tranquillou. Reine qui coffre de santé. Hop, à moi. J'en ai besoin. J'en ai besoin. J'ai pas beaucoup de courroux, ça c'est pas cool. C'est un très bon plan B, hein, quand même, l'affliction. Enfin, plan B, plan A dans certains cas. Clé d'observateur. Ouais. Un coffre. Un trou. Bon, dommage. C'est pas où le chemin, c'est par là. Poussez-vous les bestiaux, poussez-vous. Un coffre de santé là en bas, c'est pas une bonne chose.
Ça veut dire qu'il y a... Oh, bien. Ça veut dire qu'il y a un méchant truc après s'il y a un coffre de santé. Là, il y a un coffre de coucou. Moi, je fouille des pièces, hein. Je fouille des pièces. Hop, un coffre de coucou. Ça, c'est bon, le coffre de coucou. Excellent. Allez, donne-moi mon cadeau. Qu'est-ce que c'est, mon cadeau? Mon cadeau, mon cadeau, mon cadeau. Cadeau. Donne-moi mon cadeau. Oh. Oh. Sympathique. Twitch. La chaîne abyssale, très bien. Très bien, on va d'abord se l'équiper. S'équiper à l'endroit qu'on veut. Où est-elle? Elle est là. Je veux l'équiper... bah au-dessus, tiens. Au-dessus, et la lame boomerang, ici, à la place de la corne de terre. Enlève ta carapace! Aïe, 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 ça fait mal. Tiens! On va se priver. Là, ça va déjà bien l'affaiblir. Excellent! Bon. Oh. Oh, d'accord. D'accord. C'est-à-dire qu'il reste trois araignées. Trois araignées. Peut-être que celle du centre, ce qui correspond à Civita. Non, peut-être pas. À moins que ce soit la sortie de, du secteur qui soit juste derrière. Ah, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Ah, j'en doute quand même. Hop. Ah, j'ai raté mon coup. Mais je l'ai raté. Oh, dégage. Je l'ai raté, lui, la force. Tiens, tu me balances de l'autre côté. Bon, tant pis. J'ai encore raté mon coup. Tant pis. C'est ça, voilà. J'ai mauvais. Et agrippe-toi, guerre, enfin. Hop. Wouh. Une grande salle. Comme c'est pas rassurant. Deux plantes là-haut. Hop. Oui. On se balance. Y'a un trou. Ah, je suis couillon. Y'a un trou. On passe par le trou. Et on a un coffre qui contient un morceau d'armure abyssale. Très bien. Très bien. Et on a une chronosphère. Certainement pour passer sous les plantes là-bas. Avant qu'il y ait une bouffe. Et j'ai bien raté mon coup comme il le faut. Hein. Et j'ai même raté mon coup pour revenir ici. Mais je suis couillon. Ah, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Ah, là ça marche. Hop. Hop. Et ça passe. Joke. Quel est l'observateur et un coffre de santé, mais bon. Y a rien d'autre à faire ici. Sortons de cette petite salle. Voilà. On a la clé d'observateur. Nickel. Bien. Oui. On va passer. Un petit coffre qui nous nargue. Hop là. Et c'est bon. Est-ce qu'on peut retourner de l'autre côté? De l'autre côté sans tomber, apparemment. Peut-être possible en étant un peu moins couillon. Couillon. C'est mon mot du moment, je sais pas pourquoi. Couillon. Certainement à cause de ce que j'enregistre où je dis toujours couillon. Et pas grave. C'est pas grave, déformation du langage, c'est pas grave. Allez hop. Revenons sur nos pas maintenant, donc. On avait déjà vu quelques grosses araignées comme celles que nous venons d'affronter. Eh ben, s'il faut tout ça y faire, c'est pas un souci.
Allez hop. Où est la suivante? Suivante. Elle a l'air ici. Elle a l'air d'être ici. Tiens, enlève ta carapace et amuse-toi. Quoique, l'affliction va aussi s'occuper des petites. Ah, pas bon ça. Pas bon ça, c'est pas bon. Une deuxième alors, pour être sûr. J'utilise tout mon courroux là-dessus. Je devrais pas à mon avis. Ah, c'est bon. Oh, comme elle est affaiblie. Tiens, faisais le dos. Quick. Et hop là. Très bien. Et on reprend. Un peu de courroux ne me ferait pas de mal, s'il vous plaît. J'ai un peu flégé en courroux. Ok, il se régénère tout seul au cours du temps. C'est pratique, ça. C'est vachement pratique, le fléau. Mais tout de même, hein. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Champion! Artefact champion. Champion. Et toi? Et toi? Voilà. Ah, c'est rempli de bestioles encore. Je ne veux pas affronter des bestioles. Non, merci. Non, merci. Hop. Soldat. Bien. Ah, vous pouvez pas m'atteindre là, hein? Tiens, pitié. On voit que dalle vu que c'est la visée automatique. Elle vise à travers le mur. Apparemment, ça a l'air de les tuer, pas trop lentement. Quelques bonnes petites armes gratuites. Voilà, encore une. Ah, il y en a derrière aussi, apparemment. Bah écoute, hein, si tu les vois là, moi, bien, ça y est. Ça a l'air bon. Ok. On reprend la petite chaîne. J'ai vu qu'il y avait un point d'accroche orange là-haut. Orange ou rouge, si le jeu appelle ça rouge. Pourquoi pas. C'est bon. Alors, dans ce coffre-là, nous avons un chercheur de trésors. Bien. On va voir juste après ce qu'on en fait. Enfin, où on doit aller, pardon. Alors, voyons voir. Ceux-là, je compte les prendre. Celui-là, je sais ce que c'est. Celui-là, il ne faudra pas que je l'oublie. Celui-là. Je l'ai manqué, celui-là. Il me semble que c'est un coffre d'âme, mais je l'ai manqué. Il ne semblait pas l'avoir manqué. Ça, eh ben, y a le temps encore, hein. On n'y est pas encore, là. Mais ok, non, c'est pas très grave le coffre que j'ai manqué. C'est pas très grave. Je suis sûr que non. Voilà. Je suis sûr que non, c'est pas grave. Si je dois retourner ici parce que j'ai oublié un fragment de vie au courroux. Aïe. Alors, attendez, on va commencer par se débarrasser de cette petite saloperie. Là. Voilà. Par ici, quoi par ici? Et si tu dessines de tes petites toiles, montre-leur comment on fait. Hé! Descends! Par contre, j'ai toujours pas de courroux. C'est rempli d'ennemis, j'ai pas de courroux, c'est pas une bonne chose. Hey, laissez taper tout de même. Laisse-moi utiliser mes touches. Laisse-moi utiliser mes touches, saloperie. Ah.
Et tout. Tiens, le truc le plus dangereux, il est mort. Maintenant. Tiens. 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 Et tiens. C'est bon. Ça est bon. Plus qu'une araignée. Plus qu'une araignée et on se devra s'occuper de la grosse. La grosse, la grosse, la grosse. Oh. Oh. Besoin d'un peu de santé tout de même. Hop. Oula. Hop. Hop. Ah, du courroux. Non. Mais quel... Mais quel crétin. Je me suis pas accroché. Mais quel crétin. Crétin. Voilà, c'est mieux. Là, c'est beaucoup moins dangereux. Hop. J'ai du courroux ici. J'ai les 50 de courroux. Je veux mon courroux. Mon petit courroux. Courroux. Et bon. Voilà, comme ça on est paré. On peut s'en prendre à un peu n'importe quoi. Alors, on va retourner déjà. Hop. 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 On va retourner déjà vers notre point de départ. Notre point de départ de ce donjon. C'est-à-dire par ici. C'est-à-dire par ici, récupérer ces coffres-là. On est à combien de temps là? 22 minutes. Bien. Il y a du temps pour faire tout ce qu'on veut. Ouh. Alors, on récupère un coffre de santé. Un autre coffre de courroux, si tu veux, à la limite. Et un coffre d'armes. De toute façon, on repassera pas par ici. On repassera pas. Hop. Ensuite. Ensuite, il y a un coffre derrière ce bâtiment que j'aimerais récupérer. Je veux le récupérer avant d'affronter la bestiole. Hop là. Donc, vu que je vais le faire avant d'affronter la bestiole. Chronosphère. Et on passe. Je m'occupe de toi juste après. Voilà. Et le coffre, il est accessible là-haut. Oui. Chouk. Possession. J'ai vu, c'est une potion rouge, donc c'est possession, et ça augmente le chaos entièrement. Ça remplit la jauge de chaos, instantanément. Ce qui est assez pratique. Ça peut être sympa. Ça fait donc, deux, en théorie, deux chaos à la suite, quoi. C'est quand même cool. Toi, je te vois. Dessin. Oh. Oh. Alors, je me demande si je me sers d'abord de ça, est-ce que ça me permettra de lui faire beaucoup plus mal? Tiens! J'ai déjà fait plein de dégâts, tu t'en es même pas rendu compte! Tiens, saloperie. Et Chouk. Coffre de santé. Et donc voilà, quatrième araignée tuée. Génial. Génial, excusez-moi, je change de position. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Le coffre est bien pris, le coffre est bien pris, ma santé est pleine. Nickel. Y a rien par ici. Et ça, vu le nombre de cocons, je dirais que c'est pas bon. Je dirais que c'est pas bon. Non, non, non. Je le sens pas. Je le sens pas. Et si je prends un cocon... Oh.
Je sentais pas. Je sens de moins en moins. Une grosse araignée, ça. C'est... Elle est grosse. Aspirez. D'accord. Bon appétit. Tiens. Tiens, tu veux aspirer? Aspire ça. C'est bon, hein? C'est bon. C'est bon, moi ce que je vois c'est cristal. Clang. Cristal. Onde de choc. Onde de choc. Onde de choc. Raté. Onde de choc. Onde de choc encore. On sent. Rafale. Mange, mange, mange. C'est bon, hein. Bon manger, bon manger. Bon manger, bon manger. Hop là. Un comportement trop prévisible, ma petite. Oui. Elle me fonce dessus. Raté. Hop. Et encore. De choc. Et on recommence. Tiens. Ça va être bon, là. Ça va être bon. Ah, encore un coup et c'est bon. Ça, c'est de la grosse araignée cristal. Ça, ça fait plaisir. Ouh, de peu. Allez, hop. On y est presque, on y est presque. Là, ça devrait être bon, là, ça devrait être bon. C'est bon. Tu vas voir. Tchou. Allez, allez. Tchou. Tapez. Vive le gantelet secousse. Salope. Et hop là. C'est beau. Ouais, donc ça, bien sûr, c'était pas l'élu, hein. Maintenant, la porte est ouverte. La porte est ouverte, très bien. Excellent. Il remue les cocons, il bouge. Il y a quelqu'un dedans, peut-être. Tu ferais mieux. Libère-toi. Appliquer quand j'appelle. Oh, ta gueule, guetteur. Je vais à mon rythme et je t'emmerde, ok? Bon. Et on retourne dans des égouts. Ça me plaît moyennement, moi. Hein, oh oh, un démon serpent. Il veut que je le suive. Mais il est malade. Bon. Bon, c'est pas un problème. Pas un problème, j'ai le chaos qui est prêt, j'ai éventuellement une potion de possession qui est prête également, j'ai le coup à fond, non, il peut rien m'arriver de mal. Déjà vu quelqu'un comme toi une fois, déjà vu un démon de ce genre. Il était moi... Il me semble pas qu'il était aussi... Enfin, je pense que celui-là, c'est une variante. C'est ça que je veux dire. Faut reconnaître qu'il est stylé, tout de même, hein. Tiens. Et tiens. C'est bon. À quel tour? À toi. Hé hé. Quoi, t'es tout seul? Ah non, il y a des potes qui arrivent. Je me disais aussi. Oh, un serpent de plus. Hop. Hop, on se débarrasse des petits. On se méfie des sorts de ce grand dadais. Tiens, salopard.
Tiens. 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 Voilà. Plus que deux. Plus le serpent. Plus qu'un. Toi ça. Et voilà. Il reste que toi. Allez, approche. Les sorts ne me font pas peur. Tchouk. Et voilà. C'est bon, je peux passer? Non. Oh, il y en a deux. Pas un problème. Et hop, un deuxième pourriture. Deux afflictions, de quoi vous mettre en forme. Aïe! Aïe! De quel droit oses-tu? Aïe! Mais c'est qui me manque de respect, ce salopard? Aïe! Mais arrête avec tes coups de boule, je te donne des coups de poing! Voilà! Saloperie! Bon! T'es une arène de combat plutôt intense, hein! Allez hop! Ben il reste combien de temps là? Oh oui, il reste pas beaucoup. Eh bien alors pour finir... Pour finir, vous voyez sur le radar le petit coffre là qui est indiqué sur notre place. Oui. Il est bien caché, hein? Là, ça commence à devenir intéressant. Amélioration légendaire. Cet artefact légendaire a déjà appartenu au cavalier Guerre. Il confère à son détenteur maîtrise de l'armement, augmentant de façon significative ses prouesses au combat. On va s'équiper ça. On va s'équiper ça. Voilà. Gloire de guerre. Alors, bonus passif, déjà, de base. Augmente la durée, augmente considérablement la durée de la forme KO, augmente considérablement les dégâts par arme. Ça, dans tous les cas, c'est acquis en permanence. Ensuite. Si je l'équipe, augmente considérablement le chaos généré par l'absorbeur de chaos, augmente considérablement le chaos généré par les autres armes de mêlée, augmente considérablement l'expérience des armes obtenues. À la limite, j'ai même pas besoin de me l'équiper en fait. J'en ai même pas besoin. Attends, on va voir c'est quoi qui est équipé là-dessus, c'est ça, sur des armes. Non, j'ai même pas besoin de m'en équiper, son bonus passif me suffit largement. Ça me augmente considérablement mes dégâts, ainsi que la durée de la forme KO, mais c'est magnifique. Eh bien, je vous dis sur ce, à la prochaine. On va juste retourner là où il faut. Voilà! À plus!